Bienvenue en Afrique centrale, dans un petit village paisible et tranquille, aux abords duquel se trouve une place avec un arbre majestueux, un baobab, un arbre à palabres, au pied duquel on discute, négocie, raconte. Juste au pied de l'arbre se trouve le banc. Et installé sur le banc, Bakary, qui, comme à son habitude, boit un verre de vin. Vous êtes trois fils de tziganes. Vous allez en Hongrie pour devenir riche et apprendre le hongrois. Je peux vous aider. Vous allez travailler pour moi pendant un an. Je vous donnerai à chacun une pièce d'or. Et vous apprendrez le hongrois. Mais rassurez-vous, chez moi, un an dure 3 jours. Le temps passe. Et tout comme la source se jette dans la rivière se jette dans le fleuve de la vie. Et la vie vient s'échouer dans l'océan de l'inexistence. Un jour d'entre les jours, le vieux père meurt. Il y a longtemps, les temps immémoriaux, chez nos amis les Amérindiens. La vie s'écoule en parfaite harmonie. Les hommes, les animaux, la nature, le tout sous le regard bienveillant des Manitous. Manitou du feu, Manitou de l'eau, Manitou du vent, Manitou de la terre. Il voit la pomme de terre, mais toujours pas de coquillage tongonien. Il est sur le point d'être vert de colère, mais il voit derrière une énorme vague. Alors il fait ce que font tous les vers de terre, un trou dans le sable. Et une fois la vague passée, il ressort et découvre